Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas Chronique d'Inet TV. Chers Ivoiriens, Camerounais, Maliens, Sénégalais, vous qui n'aviez pas compris mes messages de la fois passée, vous m'avez envoyé des messages parce que j'ai oublié, j'ai fait la vidéo juste dans la langue congolaise. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer d'être en tout cas partiel, vous donner aussi les éléments qui vous sont nécessaires. Fally a trompé toute une nation congolaise. Si vous vous souvenez bien, il y a deux semaines passées, Fally prestait à l'ouverture de la francophonie au Congo. Tous les médias que Fally a toujours utilisés nous ont rapporté que Fally a signé les contrats avec Vivendi Sport pour venir faire l'ouverture de la francophonie. Aujourd'hui, le président de la francophonie lui-même, il est passé à la télévision congolaise pour démentir tout ce que Fally nous a donné comme élément. Le président de la francophonie a dit que Fally n'a pas signé. Il n'y a aucun contrat, aucune signature que Fally a signé avec Vivendi pour venir jouer, venir danser, venir chanter à l'ouverture de la francophonie. Comme Fally est malin, il a su que le temps va les rattraper. Comme il avait menti et joué au premier jour, le temps va les rattraper, il peut être poursuivi. Il a décliné la journée, je ne sais pas, du 6 où il devrait prester au palais du peuple, si j'ai une bonne mémoire. Fally a décliné l'offre puisqu'il savait que s'il continuait à jouer, il jouait sous les mensonges de la signature de Vivendi pendant qu'il n'avait même pas signé avec Vivendi. Il y a un monsieur qui a une grosse tête comme ça, son nom c'est Zakari Bababaswe. Un ancien député congolais que moi j'appelle député, un monsieur qui n'a pas d'honneur lui-même. Il est passé soi-disant communicateur de la francophonie. Il est passé sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir, pour mentir aux gens que Fally a signé avec Vivendi pour venir jouer à l'ouverture du jeu de la francophonie. Quel mensonge, quel mensonge, quel mensonge. Maintenant, mes chers amis, il y a des voyous et des voyelles, si je peux les dire comme ça. Il y a une fille qu'on appelle Jaël. Il y a un monsieur qu'on appelle Thierry Mombaya. Ils sont basés au Congo. Ce sont des youtubeurs comme moi. Il y a un monsieur, je pense que Thierry Mombaya, c'est comme si, je n'ai pas de précision, c'est comme s'il est parti, il est passé par les bas de l'école juste pour être journaliste. Mais à cause de l'argent, à cause de la mendicité, il est passé au créneau. Il y a des vidéos qui prouvent, qui montrent qu'il a confirmé, il insistait chaque jour que Vivendi a signé avec Fally Ipupa. Maintenant, je me pose une question. La personne qui se dit passer à l'école pour être journaliste, qui nous amène des informations mensongères sur les réseaux sociaux, pendant que le président de la francophonie lui-même l'a dit, s'il vraiment devant les écrans, il a dit que Fally n'a signé aucun contrat. Maintenant, vous voyez au plus fort réseau, quand je vous dis toujours, ça fait presque 2 ans que je suis en train de crier, je suis en train de lancer un cri alarmant en disant que Fally, tout ce qu'il fait, toute sa carrière est fondée, est basée par des mensonges. Bah, mensonges, on a l'obélaka chaque jour. C'est ça. Et sont maintenant, les mensonges sont allés unis. Fally a toujours menti qu'il est le meilleur. Fally a toujours menti qu'il sait chanter. Fally a toujours menti pour faire quelque chose. Vous voyez même la francophonie. Fally, il était capable, juste à cause de la visibilité, il est capable de se payer des billets de la France au Congo juste pour venir mentir l'opinion et se faire voir devant les écrans de la francophonie. C'est ça Fally, les mensonges sur les mensonges. Moi, je me pose des questions. Comment les femmes peuvent supporter un tel monsieur? Comment une personne qui a des capacités normales, capacités intellectuelles, capacités d'une femme, peut-il supporter les mensonges de Fally?
Je jure, Fali, pour passer, tu m'écoutes à cette heure-ci. Les femmes sont derrière toi à cause de l'argent, mais pas à cause de toi. Ils savent bien que tu es en train de mentir, mais juste pour te soutirer de l'argent, les femmes-là sont toujours à côté de toi. Mais si c'est à cas réel, à cas normal, au temps normal, une femme ne peut pas te résister. Tu es un menteur, tu manipules toute une nation, toute une population. Mais comme le Congo n'a pas de justice, comme le Congo, il y a toujours des laissés-aller partout, les mensonges pareils, fait passer par des médias congolais à l'appui des anciens députés congolais, ces gens-là ne seront même pas interpellés après avoir menti toute une opinion comme ça. Fallait montrer-nous les contrats, puisque le président de la francophonie nous a bien dit et il a éclairci que tu n'as signé aucun contrat. Maintenant, toi qui criais à chaque fois que tu as signé un contrat, fallait montrer-nous les contrats. Si tu ne montres pas les contrats, ma vidéo n'est pas là. Toutes les vidéos que j'ai fait, ça prouve noir sur blanc que Fali c'était menteur. Ça prouve noir sur blanc que Fali c'était manipulateur. Tout cela, c'est le succès que fait vient de récolter dans un seul mois. Fali, pendant tout ce temps-là, tu as fait du succès. Pendant tout ce temps-là, les gens t'ont écouté, les gens t'ont acclamé. Juste pour un mois seulement. Là, le succès de faire égo, là, te rend jaloux, te rend aigri. Juste le concert des Stades des Martyrs, il ne serait même pas deux. Un seul concert qui a été vraiment bien réussi, qui était à la hauteur d'un artiste. Ça te rend malheureux, ça te rend aigri, ça te rend jaloux, ça te rend fou. Fali, toi, tu es devenu qui au Congo? Avant que le président de l'OI, de la francophonie parle, il y a même plus de 3 jours, je pense, il y a d'autres journalistes qui nous ont amené noir sur blanc les preuves que Fali n'a pas signé aucun contrat avec Vivendi. Les gens les ont insultés, les gens qui parlent pour Fali, pour pas, ont insulté tous ces gens-là pour rien. Ils ont insulté des journalistes, ils les ont appelés des mendiants, des pauvres. Pendant que ces gens-là qui sont en train de mentir au nom de Fali Poupa, si vous regardez là où ils vivent, vous regardez leur généalogie, ce sont des pauvres. Pauvres, la fille comme Jaël, pauvre depuis la généalogie, les grands-parents, arrière-grands-parents, jusqu'à là où elle est, elle-même aussi est pauvre, puisque une personne riche ne peut pas vivre comme elle. Elle a l'air de malade, elle a l'air d'une personne malade. T'as la maboundi. Bozu Moussou Soki, je ne sais pas comment on l'appelle. J'ai oublié parce que je ne regarde plus, je ne sais pas, Alexis. Un garçon qui n'a pas de pudeur, un homosexuel, tellement qu'au Congo, tout, mes chers amis. Un monsieur comme Moutouana, est-ce qu'il est capable vraiment de venir donner des propos ainsi, maçonnière, à peu qu'au fin de mon local là-bas, héritier, il se permet à insulter n'importe qui juste pour l'honneur de Fali Poupa. Vous les Ivoiriens, les Camerounais qui me regardaient à cette heure-ci, la fille que je viens de dire, Jaël Cho, elle a pris des photos avec Fali Poupa, ça ne fait même pas 2 semaines. Depuis, elle insultait les gens. Et pour la remercier, Fali a pris des photos avec elle. Et maintenant, elle s'est mise vraiment en rage. C'est comme si c'était un serpent venimé, un serpent qui n'a plus d'espoir de vivre. Elle cherche tout pour mordre. Elle mord tout ce qu'elle voit. C'est la fille là. Elle insulte les gens, même les gens qui ont une belle vie, bonne vie qu'elle, mais elle est capable de les insulter. Moutoulokola Alexis, ce botali généalogie naïe. Ses grands arrière-grands-parents, ma grand-père, ma papa, yé, là où elle est, futur écoute, ils écoutent, futur et un moment où ils sont sombres. Mais c'est la personne pareille, Azak au fin gabat. Personne pareille, c'est lui qui se met là, juste pour n'a collègue Sabatouke, Azak Moutiafali. Mes chers amis, Oza la soki Jaël, Oza la soki Alexis. Fali bolinga bolinga te, il n'a pas été Omega, il n'a pas été Alpha. Alpha, c'était Bill Clinton. Fali, il était dans l'air, il était au milieu comme un bêta. C'est parce que ces Français n'ont pas compliqué, Bino. Fali n'a pas été Alpha et il n'a pas été Omega. Et il a fui, puisque à cause ça, un menteur, comme on était prêt à le saisir, il a fui lui-même.
Bah, vérité, moi je vais commencer à vous dire des vérités qui ne vous feront jamais, jamais, qui ne vous mettront jamais à l'aise. Et quand banako ça la bino passe, je m'en fous, mais je vais vous dire de la vérité. Un fali, un menteur. Ce que vous avez généalogie naïve, généalogie de fali et poupa. Mensonge sur mensonge, n'a rien de bon. Mensonge sur mensonge, rien de manipulateur. Jusqu'aujourd'hui, botale makambesika faliaza, ce sont des manipulations, mensonges. Et puis, souka ya fali, botala, bokomona, souka nendenge kozala. Et okene nendenge amabe, puisqu'il n'y a pas de support véridique, il n'y a pas de support, véritable. Tout est basé sur les mensonges. Donc, fondation a fali, et ça n'est pas. Et ça sable, et ça bétote, et ça n'a rien. Fondation a fallu pour pas. N'a rien de bon. Tout peut s'écrouler à tout moment. Tout. Côté musique, il n'est pas bon. Il n'a pas d'œuvre. Il n'a pas de concert qui fait parler des gens. Il n'a pas de chansons qui fait bouleverser le monde. Jamais. Mais Ferre, regardez-moi, qui a bouleversé le monde. Ferre nous a donné le système acoustique. Inospi nous a donné la chanson la plus suivie de tout le temps au Congo. Koffi Olomide, il a des répertoires inexplicables au Congo. Ouais, à son côté chant et spectacle, il n'y a personne qui peut aussi l'atteindre. Donc, Fali, il est là seulement parmi. C'est un garçon chanceux. Surtout en utilisant des mensonges. Aujourd'hui, tout le monde a su que Fali n'est pas bon à chant. Il est toujours derrière des instruments qui l'aident à pousser sa voix plus haut. Mais sans instruments, Fali n'est rien. Il n'est pas capable de chanter ses propres chansons. Les chansons qu'il a chantées dans les studios, il n'est pas capable de les reproduire à live. Impossible. Et c'est le musicien que vous voulez vraiment forcer aux gens d'accepter. Tout le monde a vu, tout le monde sait que Fali n'est pas bon. Tout le monde voit que Fali utilise des autotunes, puisque c'est un monsieur qui n'est pas capable de s'épargner vraiment dans la musique, dans la vraie musique. Lui, il vit avec de la pollution dans la rumba. Lui, il vit avec de la pollution, ce n'est pas la vraie rumba. La rumba, c'est les voix, la voix, la guitare et les sons. Mais il n'a pas la voix. Il vient avec les instruments qui poussent sa voix à s'ajuster juste aux notes. Mais nous devons être forcés. Azabongoté, il n'est pas comme ça. Moi, je l'ai dit, Fali n'est pas comme vous le croyez. Il n'est pas bon que Babongis n'a pas dit. Fali a construit sa carrière dans les réseaux sociaux pour mentir aux gens qu'il est bon. Les mensonges sur mensonges, aujourd'hui tout le monde sait que Fali n'est pas bon. Aujourd'hui tout le monde sait que Fali n'est pas le meilleur. C'est ça.